Donc, Jean Cocteau, en 1946, réalise La Belle et la Bête, une adaptation cinématographique du conte de Madame le Prince de Beaumont. Le film est construit, entre autres choses, autour du motif du miroir. Belle, je suis votre miroir, réfléchissez pour moi, je réfléchirai pour vous, prononce le miroir que de la bête installée sur la table de chevet de la belle. En tant qu'objet physique, le miroir joue un rôle prépondérant dans le récit filmique. Le miroir de la bête permet d'accéder au désir de voir l'être cher, de créer un pont entre le monde dit réel de la belle et le monde, voilà, et le monde fantasque de la bête, et de révéler la laideur des hommes cupides. Le miroir invoque aussi le lexique du reflet. Fenêtres, nappes d'eau, costumes chatoyants habitent tout autant le film. Le miroir rappelle ce jeu des apparences qui s'incarne chez Cocteau dans une dualité entre la beauté et la laideur, la bonté et la cupidité, la naïveté et la méchanceté. Jean Marais, incarnant à la fois Avenant, le prétendant de Belle, et la bête, offre ces deux visages qui s'intervertiront à la fin du film et se fusionneront en une seule et même entité, ce prince charmant habitant les cieux. Finalement, si les yeux sont le miroir de l'âme, Cocteau l'a bien montré dans sa fable. La belle ne peut regarder la bête dans les yeux, personne ne le peut. La bête en souffre trop, elle expose son âme tourmentée à autrui. Les jeux de regard sont nombreux à parcourir le récit cinématographique. L'exemple en est de ces statues aux yeux vivants qui peuplent le décor du château de la bête et épient les personnages lorsqu'ils sont seuls. Cette communication parcourra les représentations visuelles et symboliques du miroir dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau afin d'en cerner les implications et les effets sur le déploiement du récit et sur le processus d'adaptation du conte de Madame le Prince de Beaumont. La Belle et ses sœurs, valeurs antithétiques. Cette version de La Belle et la Bête que propose Jean Cocteau en 1946 est une adaptation du conte du même titre de 1757 de Madame le Prince de Beaumont, qui elle-même réécrivait à sa manière en abrégé dans son magasin des enfants le conte que faisait paraître sa contemporaine, Madame de Villeneuve, en 1740 dans La Jeune Américaine et les Contes Marins. Madame le Prince de Beaumont est gouvernante et ses contes à l'usage des enfants et surtout des jeunes filles sont empreints d'une vertu pédagogique et d'une morale, une forte morale chrétienne. La cadette des six filles du marchand dans le conte de Madame le Prince de Beaumont est nommée la belle enfant, ce qui crée chez ses sœurs de la jalousie. L'auteur note ainsi dès le départ, ses filles étaient très belles, mais la cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi la meilleure. Elle ajoute, les deux aînées avaient beaucoup d'orgueil parce qu'elles étaient riches. Elles se moquaient de leur cadette, qui employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Le texte est ainsi construit en opposition entre péché et vertu, honnêteté versus mensonge, humilité versus orgueil, la bonté versus la méchanceté, le travail versus la paresse, etc. Dans le film de Cocteau, les sœurs, Adélaïde et Félicie, sont moquées par Ludovic, leur frère, qui les traite ironiquement de belles, de ravissantes et de divines, afin de marquer leur caractère vain et orgueilleux. Belle, au service de ses sœurs trop fières, est montrée humble, travaillante et honnête. Elle avoue sans ironie ni jalousie à Avenant, qui affirme que ses sœurs devraient travailler autant qu'elle. « Mes sœurs sont trop belles, elles ont les mains trop blanches. » Et Avenant de répondre « Belle, vous êtes la plus belle. » Le film de Cocteau est principalement construit autour du motif du miroir, qui invoque celle du reflet et par lequel il convoque la dichotomie des valeurs instaurées dans le récit de Madame le Prince de Beaumont. Comme l'explique André Bazin, le film doit amplifier et modifier le récit afin de rendre justice à l'œuvre originale, ce que Cocteau accomplit à partir des codes cinématographiques et des thématiques visuelles qui composent son opus. Le visage de la belle apparaît pour la première fois à l'écran, reflété par le parquet que la jeune femme frotte de son chiffon. Avenant lui dira d'ailleurs, « Belle, vous n'êtes pas faite pour être une servante, même le parquet veut devenir votre miroir. » Cocteau, tout comme Madame le Prince de Beaumont, définit la beauté selon la vertu et les bonnes valeurs de son héroïne, ce qui n'est pas sans rappeler le motto du film de Disney, « Beauty is found within ». Or, poussant plus loin la métaphore de l'auteur du conte, le cinéaste fait du miroir l'objet le plus révélateur du film. C'est par ce dernier que le sujet contemplant a accès à l'objet de son désir et dévoile son vrai visage. Donc, le miroir de la bête, fenêtre sur l'objet de désir. « Hélas, dit-elle en soupirant, je ne souhaite rien que de revoir mon pauvre père et de savoir ce qu'il fait à présent. » Elle avait dit cela en elle-même.
Quelle fut sa surprise, en jetant les yeux sur un grand miroir, d'y voir sa maison où son père arrivait avec un visage extrêmement triste. Ses sœurs venaient au-devant de lui, et malgré les grimaces qu'elles faisaient pour paraître affligées, la joie qu'elles avaient de la perte de leur sœur paraissait sur leur visage. Un moment après, tout cela disparut, et la belle ne put s'empêcher de penser que la bête était bien complaisante et qu'elle n'avait rien à craindre d'elle. Il s'agit là d'une des deux uniques mentions du miroir dans le conte de Madame le Prince de Beaumont. Si l'objet n'a dans le conte que peu d'importance, Jean Cocteau lui confère de plus grands pouvoirs. Le miroir répond tout d'abord au désir de celle ou de celui qui le regarde afin de voir l'être qui leur est cher. Belle, au château de la bête, se trouve le miroir à son chevet. Celui-ci lui dit alors: Belle, je suis votre miroir, réfléchissez pour moi, je réfléchirai pour vous. La pensée de la jeune femme se porte alors sur son père dont elle est sans nouvelles. Immédiatement, comme dans le conte, son père lui apparaît. Le miroir offre un plan rapproché du visage du père malade, dans une proximité de cadrage et dans l'intimité de sa chambre. Belle, à travers le miroir de la bête, se trouve virtuellement au chevet de son père malade. Le miroir fait ici office de mise en abîme, puisqu'en montrant une autre réalité fiction au sein d'une réalité fiction, il nous montre en quelque sorte le film dans le film, un nouvel écran dans l'écran. Nous devenons spectateurs de Belle, spectatrice devant le miroir qui ne la reflète plus, mais lui montre un autre monde. Selon Butor, la fonction du miroir consiste à donner un point de vue sur l'invisible grâce auquel il devient possible d'avoir prise sur lui. Le miroir de la bête devient un des ponts entre le monde dit réel de la belle et le monde fantasque de la bête. La bête tire sa puissance de cinq secrets, cinq objets qui possèdent, à tout le moins métaphoriquement, le pouvoir de franchir la frontière entre le rêve et la réalité. La rose, cueillie par le père de Belle, pousse cette dernière à se donner en offrande à la bête. Le miroir permet de voir l'être cher de l'autre côté du reflet. La clé d'or permet d'ouvrir le jardin de Diane, en endroit secret et magique. Le cheval, nommé le Magnifique, mène les visiteurs au château de la bête. Le gant, porté durant le sommeil, transporte au lieu désiré. Ces objets magiques, dans l'optique du genre fantastique, viennent contaminer le réel. Comme l'écrit Véronique Labeille dans son article Manipulation de figure, le miroir de la mise en abîme, le rôle du miroir est de refléter une image déjà existante et suppose aussi ce qu'on ne voit pas. Le miroir de la bête agit en ce sens. Non seulement montre-t-il ce que désire le cœur, mais il révèle aussi la laideur des âmes cupides. Il met en question les identités et reflète la vraie nature des personnages. Se regardant dans le miroir de la bête, Félicie et Adélaïde se voient chacune transformées en vieille femme et en singe. C'est ce que David Galef, auteur de A Sense of Magic, Reality and Illusion in Cocteau's Beauty and the Beast, décrit en ces termes. Je prends une gorgée d'eau parce que mon anglais va être rouillé. Here, magic supports metaphoric reality, the implication that the two sisters are beasts and hags. Only in beauty's hands does the mirror revert to its ordinary magic projection. It shows the beast in agony, the image compelling beauty to return. Le miroir de la bête n'est pas le seul objet à changer selon la personne qui y touche. Toute la magie du monstre est ainsi conçue. Par exemple, les perles de Belle se transforment en cordes fumantes entre les doigts de ses sœurs. Et lorsque la belle pleure en pensant à la bête, ses larmes se métamorphosent en diamants. Elle affirme alors que la bête doit être protégée des fées et donc que sa magie est bonne puisque ses larmes de montée sont devenues pierres précieuses. Le miroir est aussi métaphore du cinéma. Galef écrit: Here the audience can enter into a multi-leveled viewing since cinema itself can portray the world like a mirror. Yet this particular film transcends reality. As it turns out, the mirror too transcends ordinary viewing by approximating film. It can project scenes and tell other realities. Then, too, magic projection can terrify simply by vouchsafing views not ordinarily accessible. Excusez-moi. Belle, effrayée par la vision de son père malade dans le miroir, fuit sa chambre pour se retrouver face à la bête et tout autant effrayée que par la projection dans le miroir, s'effondre sur le sol. Les larmes de diamant rappellent tout autant l'artifice du cinéma.
Quand la belle pleure, ses larmes de diamant sont une illusion du film, mais aussi une métaphore du film lui-même. Le film est un artifice, un objet d'art aux multiples facettes créé à partir d'un simple matériau. Lorsque le miroir brise, après avoir montré la belle mourante, la bête mourante, excusez-moi, c'est aussi signe que le film tire à sa fin et que la dichotomie beauté-laideur s'effondre elle aussi. Les yeux, miroir de l'âme. Les yeux sont le miroir de l'âme. Cocteau le montre bien dans son film. Les plans rapprochés des visages sont fréquents et mettent toujours en évidence le scintillement des yeux. Tout comme les perles et les diamants des costumes et les crins du magnifique, les yeux des personnages réfléchissent la lumière et chatoient. Voyons un extrait. La belle ne peut regarder la bête dans les yeux, personne ne le peut. La bête en souffre trop, elle expose son âme tourmentée à autrui. Belle, il ne faut pas me regarder dans les yeux, dit la bête en reculant, blessée. Dans la scène suivante, et pourquoi j'ai. Non, mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves, hein? Il est beau, c'est ça? Moi aussi. C'était pas voulu. Ok. Donc, dans la scène suivante, alors que la belle est à table pour souper, la bête demande « Je vous répugne, vous me trouvez donc bien laid ?» Et la belle de répondre en toute honnêteté « Je ne sais pas mentir, la bête. Je devine que vous faites l'impossible pour essayer de me faire oublier votre laideur. » C'est alors que la bête livre son âme à la belle. « Mon cœur est bon, mais je suis un monstre. » Belle le conforte alors « Il y a bien des hommes qui sont plus monstrueux que vous et qui le cachent. » Belle dit d'ailleurs à son père qui lui demande étonné plus tard « Ce monstre a donc une âme ?» Elle répond donc « Il souffre, mon père, une moitié de lui est en lutte contre l'autre. Il doit être plus cruel pour lui-même que pour les humains. Je vois ses yeux et ils sont si tristes que je détourne les yeux pour ne pas pleurer. » L'esthétique du film de Cocteau permet aux spectateurs d'être voyeurs. Les plans rapprochés et la hauteur de la caméra donnent l'impression de regarder la scène à travers le trou d'une serrure. Or, dans le château, la bête, un changement s'opère, introduit entre autres par les statues vivantes qui épient les occupants du château lorsqu'ils sont seuls. Qui regarde, qui est regardé. Les statues du film de Cocteau diffèrent toutefois de celles du conte de Madame le Prince de Beaumont. La fée qui apparaît à la fin du conte tient en effet ses propos. « Pour vous, mesdemoiselles, dit la fée aux deux sœurs de Belle, je connais votre cœur et toute la malice qui l'enferme. Devenez deux statues, mais conservez toute votre raison sous la pierre qui vous enveloppera. Vous demeurez à la porte du palais de votre sœur, et je ne vous impose point d'autre peine que d'être témoin de son bonheur. Vous ne pourrez revenir dans votre premier état qu'au moment où vous reconnaîtrez vos fautes, mais j'ai bien peur que vous ne restiez toujours statue. On se corrige de l'orgueil, de la colère, de la gourmandise et de la paresse, mais c'est une espèce de miracle que la conversion d'un cœur méchant et envieux. » Les statues de Cocteau sont donc un clin d'œil au conte de Madame le Prince, mais prennent une toute autre signification au sein du récit filmique. Galef écrit à ce sujet « The audience peers into another world. Peers, because Cocteau's aesthetic of a film, is to allow the audience a privileged keyhole view. Within the realm of magic, however, even the relationship of the viewer and the viewed can be transformed. »
Inside the fireplace room, stone heads on pillar turn to watch the intruder, disrupting the viewer. The off-screen space is suddenly the space of the audience as the eyes swivel in their sockets, voyeurism of the stone pillars. Cocteau et la mythologie. Le motif du miroir chez Cocteau vient principalement et selon ses dires de la mythologie, précisément du mythe de Psyché. Psyché étant une femme d'une grande beauté aimée par Cupidon, qui en tant qu'homme déchu sera unie à elle dans un amour divin. La référence à Psyché domine l'imaginaire de Cocteau par l'association qu'il fait avec le narcissisme qu'invoque le nom commun Psyché, c'est-à-dire, bon, un miroir. Rebecca M. Pauly, dans Beauty and the Beast from Fable to Film, nomme aussi les autres mythes aux origines du conte, soit l'amour de Vénus pour le difforme Vulcain et l'histoire de Céphalus, le fils d'Hermès, qui voit son visage métamorphosé. Cocteau a par ailleurs travaillé plusieurs fois le mythe d'Orphée. Dans la pièce Orphée, il écrit « Les miroirs sont les portes par lesquelles la mort va et vient. Ne le dites à personne, du reste, regardez-vous toute votre vie dans une glace et vous verrez la mort travailler comme des abeilles dans une ruche de verre. » Les miroirs chez Cocteau sont liés à la mort et au changement. Comme nous l'avons mentionné précédemment, c'est aussi à travers les miroirs que les personnages de Cocteau franchissent les frontières du monde réel. Le conte peut aussi être lu sous une lumière oedipienne, racontant le transfert de l'amour que Belle porte à son père vers la bête et la découverte de la sexualité de l'interdit, telle que le convoque ce mystérieux pavillon de Diane, divinité de la chasteté, mais aussi de la chasse. La bête et Avenant, création d'un prince. La magie dans le film de Cocteau agit en métaphore. L'homme est transformé en bête, mais révèle aussi la nature bestiale de l'homme. L'homme laid est bon, l'homme beau est méchant. C'est cette balance antithétique que créent les personnages de la bête et d'Avenant, tous deux incarnés par le même acteur, Jean Marais. Selon David Galef, alors que la belle et la bête mourante représentent l'éveil sexuel vertueux, Avenant et Ludovic pénètrent par effraction dans le temple sacré de Diane, un acte violent, bestial, associé ici au viol. Galef écrit « A conflict emerges between those involved in the magic of procreation and those who would rudely force its secrets. Beauty and the Beast as opposed to Avenant and Ludovic. Avenant's attempted violation of magic runs counter to the illusion of the film as he penetrates the glass roof of the temple. Cinematic artifice strikes back when attacked. The statue of Diana turns, draws back an arrow on an imaginary bow, and shoots the hanging figure. Avenant, qui était apparu pour la première fois accompagné du son d'une flèche tirée, meurt d'une flèche enchantée. La statue vivante de Diane, le viol du temple et la flèche sont tous sexuellement, magiquement, métaphoriquement liés et supposent une transformation sexuelle. Alors qu'Avenant chute, il se transforme en la bête qu'il a toujours été, tandis que la bête aimée de la belle se change en un beau prince. Avenant et la bête, en échangeant leurs masques, réunissent alors beauté intérieure et extérieure, ainsi que la laideur, réparant ainsi la double tension de leurs deux dichotomies. En ce sens, le film montre la bête devenir belle aux yeux de la belle, alors qu'Avenant s'en l'est dit. En un moment ultime, Avenant et la bête, qui ne se sont jamais croisés dans le récit, sont intervertis et fusionnés pour créer ce prince charmant habitant les yeux dans une métamorphose qui implique un passage entre la vie et la mort. Avenant, qui proclame fièrement ne pas croire aux puissances magiques, répète le destin de la bête, puni parce qu'il ne croyait pas à la magie, cette même magie évoquée par Cocteau en ouverture de son film lorsqu'il appelle à la suspension volontaire de l'incrédulité de ses spectateurs. L'enfance croit ce qu'on lui raconte et ne le met pas en doute. C'est un peu de cette naïveté que je vous demande, et pour nous porter chance à tous, laissez-moi vous dire quatre mots magiques, véritable sésame ouvre-toi de l'enfance. Il était une fois. Merci.